OK, j'espère que tout le monde arrive à voir mon écran. Bien. Donc, quelles sont les considérations relatives à la mise à l'échelle des trackers? Donc, nous allons voir que pour mettre à l'échelle le tracker, il y a plusieurs choses qu'on doit prendre en compte. Et d'abord, le tracker, on sait que souvent, c'est utilisé au niveau le plus périphérique, le plus inférieur. Et donc, le nombre d'utilisateurs pour un tracker est relativement très grand. Et on aura beaucoup de besoins, notamment en infrastructure informatique, matérielle et en matière aussi d'assistance. Donc, le soutien technique du niveau national au niveau périphérique. Donc, quand on parle de mise à l'échelle, il y a plusieurs dimensions que nous devons considérer. Et il y a les utilisateurs. Donc, dans notre système, nous aurons les utilisateurs finaux. Nous aurons aussi les administrateurs. Et côté utilisateurs finaux, nous savons qu'ils seront très nombreux et qu'ils seront au niveau formation sanitaire. Et nous avons aussi à considérer la couverture du programme de santé. Donc, quelle est la dimension du programme? Est-ce qu'il est utilisé journalièrement? Est-ce que c'est l'utilisation du programme tracker au cas par cas? Donc, la couverture du programme est un critère qu'il faut tenir compte lorsqu'on parle de mise à l'échelle. Et exemple, lorsque je déploie un tracker pour le suivi des MAPI, ce n'est pas les mêmes choses, ça ne demande pas autant d'efforts que de mettre en place un tracker pour le VIH. Parce que pour le suivi des MAPI, on sait que bon, il y aura juste quelques cas qui seront recensés et investigués par des personnes spécifiques qui ne sont pas trop nombreuses. Par contre, lorsqu'on parle du tracker VIH, et vous allez voir que le nombre d'utilisateurs est beaucoup plus conséquent. Et j'espère que le son est bon. OK, d'accord. Donc, autre critère à considérer lors de la mise à l'échelle, c'est le matériel et les infrastructures. Donc, nous allons revenir plus en détail sur chacun de ces items. Donc, bien sûr, côté matériel et infrastructure, nous allons parler des équipements qu'il faut pour l'hébergement, pour l'utilisation même du porte-facteur programmatique, etc., etc. Et nous avons aussi le critère donné. Quand on parle des trackers, on sait que la nature des données est légèrement différente de ceux de l'agrégé. C'est tout un autre contexte. Et il y a les critères, par exemple, de sécurité, de confidentialité qu'on doit prendre en compte. Et il y a aussi la géographie qu'on doit considérer lorsqu'on parle de la mise à l'échelle. Donc, bien sûr, lorsqu'on déploie un tracker sur le point géographique, nous savons que ça va s'étendre à tous les pays, jusqu'au niveau formation sanitaire ou au niveau communautaire. Donc, tous ces critères doivent être pris en considération lorsqu'on est à l'échelle du tracker. Et le tracker, son implémentation, sa mise à l'échelle, diffère de l'agrégé. Et ce qui fait que l'approche que vous aviez avec l'agrégé, que ce soit sur le plan formation ou support informatique, va beaucoup changer. D'accord? Même au niveau du budget, il y aura un changement qui serait forcément un peu plus coûteux. Et côté hébergement également, il y a des dispositions à prendre lorsqu'il s'agit d'un tracker. Et on a plus d'exigences côté sécurité que par rapport à l'agrégé. Donc, nous allons revenir en détail sur chacun de ces aspects. Et commençons par les utilisateurs. D'accord? Comme je le disais tout à l'heure, les utilisateurs des trackers sont souvent au niveau périphérique. Donc, ils sont très, très nombreux. Et la première difficulté souvent, c'est que leur apporter assistance peut être très compliqué, d'accord? Donc, vous avez des dizaines, des centaines de milliers d'utilisateurs qui sont disséminés à travers le pays. Donc, faire l'assistance va devenir un vrai challenge. Et ils peuvent, ces utilisateurs peuvent ne pas avoir de connaissances accrues, disons, en matière de technologie informatique. Et donc, vous devez forcément les initier sur certains aspects. Et il est difficile aussi de les faire des formations de recyclage lorsque, par exemple, vous avez peut-être fait une petite mise à jour de votre tracker ou s'il y a un changement de personnel. Donc, c'est difficile parfois de les atteindre, aussi nombreux qu'ils sont, pour leur faire une formation de recyclage. D'accord? Donc, les approches recommandées pour pallier à cette difficulté. Donc, premièrement, et lorsque vous voulez former, par exemple, les utilisateurs finaux, ne pas se contenter simplement
et à une formation comme on le fait de manière classique. On forme je suis et les hackers qui doivent utiliser. Mais il faut aussi faire la formation, disons, plus informatique, c'est-à-dire c'est une formation aussi sur l'outil qu'ils vont utiliser. Il faut qu'ils connaissent le matériel qu'ils vont utiliser, l'Android qu'ils vont utiliser ou l'ordinateur qu'ils vont utiliser. Vous devez par exemple leur faire comprendre comment s'assurer tout le temps que la charge de l'équipement est bon, comment allumer les têtes pour les fichiers, comment reconfigurer, etc. Donc, il faut qu'ils comprennent bien le matériel avant de pouvoir utiliser le logiciel qui sera installé là-dessus. C'est très important. Aussi, vous devez développer des stratégies et d'assistance aux utilisateurs. Et surtout, cette assistance doit être de première ligne parce que depuis le niveau national, il est difficile de porter assistance aux centaines d'utilisateurs disséminés à travers le pays. D'accord? Donc, vous devez avoir une stratégie pour effectuer et des assistants techniques, des dépannages au niveau périphérique. Et pour cela, bien sûr, vous devez trouver un personnel au niveau des agrégés, au niveau district, qui n'est pas forcément un puissant IQ ou bien quelqu'un qui est expert administrateur, mais quelqu'un qui peut avoir les notions suffisantes pour faire au moins les petits dépannages et corriger les problèmes et les plus récurrents, au lieu que tous ces petits problèmes ne remontent jusqu'au niveau national. Donc, il y a un bruit en arrière-plan. Désolé. S'il vous plaît, il y a un bruit de fond là qui nous empêche un peu de bien suivre. OK, il y a un monsieur en chantier à l'étage en dessous. C'est passé. Un instant, je vais essayer d'ajuster mon micro. Bon, je vais essayer de parler beaucoup plus fort, peut-être que ça va aider. Bien, donc. Je disais qu'il était important de fournir l'assistance de première ligne, mais à travers des... De très mauvaise qualité. Oui, allô. Bon, apparemment, à côté, on me dit que le son est bon. Est-ce que ce n'est pas à votre niveau? Vous pouvez augmenter votre volume à votre niveau? Non, ça ne doit pas aider à mon niveau. Il y a une résonance là qui s'effectue de votre niveau. Est-ce que c'est la même chose chez la plupart des personnes connectées? Quelqu'un peut aussi nous confirmer? Oui, maintenant ça va. Non, tu captes 5 sur 5. OK. Donc, on peut continuer. Donc, je disais, au niveau périphérique, vu que le niveau national ne veut pas se charger de l'assistance de première ligne, il est toujours bon de délocaliser cette assistance en formant des personnes au niveau peut-être immédiatement supérieur qui vont se charger de faire cette assistance. D'accord? Et il est aussi très important de développer, des stratégies dès le début de l'implémentation de votre hacker. Et sur les différents processus, pour supprimer les processus redondants dans votre système. Donc, si vous implémentez un tracker, est-ce qu'il y a certains processus qui sont répétitifs pendant votre analyse? Et vous devez bien faire l'analyse afin de les supprimer. D'accord? Et vous devez aussi examiner les besoins réels en données, et de telle sorte d'avoir toutes les variables nécessaires pour calculer les différentes sorties possibles. D'accord? Donc, il n'est pas intéressant que vous implémentiez un tracker et que vous vous rendez compte peut-être quelques mois après, qu'il y a certaines variables que vous n'avez pas pris en compte. Et donc, les ajuster, remettre à jour votre tracker, c'est vraiment un cauchemar, c'est des pertes de ressources et de temps. Donc, bien faire l'analyse, s'assurer que vous avez toutes les sorties qui peuvent être générées à partir des données que vous avez collectées et selon le programme pour lequel vous implémentez le tracker.
Côté matériel, infrastructure et données, et comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, l'implémentation et l'utilisation des trackers va se faire forcément dans des zones périphériques où souvent il n'y a pas un équipement qui est disponible. D'accord? Vous voulez implémenter un tracker, vous voulez que les gens fassent la sortie avec Android. Et il n'est pas évident que partout où les vos utilisateurs sont, au niveau formation sanitaire, qu'il y ait tout l'équipement nécessaire. D'accord? Donc, ça, c'est déjà un challenge. Et il y a aussi plusieurs utilisations déjà étaient sur place et d'un système pour collecter les données qui est déjà là. D'accord? Donc, vous devez faire avec ou bien vous adapter avec. Et il y a aussi l'augmentation du nombre de données qui seront collectées au niveau périphérique, qui seront traitées, et leur synchronisation, tout ça. Donc, ça, c'est un challenge supplémentaire. Donc, en plus, le plus important, c'est que les données que collectent les trackers sont souvent à caractère personnel, d'accord? Et il doit y avoir des variables qui peuvent permettre d'identifier une personne. Et ça aussi, c'est un challenge que vous devez configurer lorsque vous implémentez les trackers, selon que vous avez des réglementations chez vous ou pas. Donc, les approches de solutions possibles pour essayer de gérer cela, c'est d'abord de développer un processus de maintenance du matériel informatique au fil du temps. Et donc, implémenter un tracker, mettre à disposition les équipements et les périphériques informatiques ne suffit pas. Il faut toujours penser aussi à long terme. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un matériel est défectueux? Est-ce qu'on le remplace? Si on doit le réparer, qui doit le réparer? Comment ça va se faire? Par quel processus? Donc, tout ça, c'est des facteurs que vous devez prendre en compte pour essayer de résoudre les difficultés liées à le matériel et à l'infrastructure. Et vous devez aussi examiner d'abord, avant d'implanter votre tracker, le paysage des différentes interventions qui peuvent avoir lieu sur le terrain. Donc, supposons qu'il y avait déjà un programme en cours par un tracker parallèle qui voulait aussi équiper certaines infrastructures ou bien qui voulait collecter certaines variables et au même niveau que vous, votre programme tracker. Donc, vous pouvez essayer de jubiler en même temps de fusionner ces deux programmes afin d'optimiser les ressources. Et ça permet vraiment de réduire les coûts et d'optimiser aussi la collecte des variables, des données, et sans faire trop de doublons. D'accord? Et il est important d'établir aussi des directives en matière de sécurité et de confidentialité. J'en ai parlé tout à l'heure. Et si au niveau pays, vous n'avez pas de réglementation et sur la protection des données à caractère privé, n'empêche que dans votre système, vous devez tenir compte de cette directive en matière de sécurité. Et est-ce qu'il faut mettre, par exemple, une charte de confidentialité que les gens doivent signer? Est-ce qu'il faut, dans votre système, identifier peut-être les personnes par des codes et non par nom, par leur nom, etc., etc.? Donc, c'est des choses dont vous devez penser lorsque vous implémentez votre tracker pour protéger vos données. Côté géographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, tracker sera utilisé au niveau des agrégés, pas au niveau national. Et le challenge que vous aurez, c'est la formation. Donc, former toutes ces personnes va être vraiment un très grand challenge. Et l'équipe nationale ne pourra pas forcément le faire, vu leur nombre. Et il sera aussi difficile de fournir un soutien aux informaticiens et aux différents utilisateurs, de leur fournir un soutien informatique, notamment lorsqu'ils ont des pannes avec leur périphérie ou bien lorsqu'ils ont des difficultés à utiliser l'application Tracker. D'accord? Et le nombre de problèmes vont se multiplier et seront très, très divers. Il y en aura beaucoup. Donc, pour ces challenges et les approches de solutions, vous pouvez, par exemple, déjà augmenter le nombre de personnel au niveau du core team, au niveau national, et pour qu'ils puissent au moins être plus nombreux à assister les personnes. Et vous devez privilégier aussi la formation en cascade lorsqu'il s'agit de faire des formations. Donc, vous faites le niveau national, vous formez les formateurs vont le faire au niveau des agrégés. Et vous pouvez le faire en vous appuyant au personnel déjà disséminé dans les décisions district ou région. Ça permet de mieux faire la formation en cascade. Vous devez aussi mettre en place une hotline. Donc, en cas d'urgence, en appelant peut-être sur une ligne donnée, on peut trouver assistance auprès peut-être d'un personnel du core team ou bien d'un personnel au niveau district. Donc, c'est très, très efficace.
Et il est aussi très important, et lorsque vous avez le système qui est là, de faire de temps en temps une petite revue, c'est-à-dire faire une analyse de routine, un examen, pour voir les difficultés auxquelles vous avez fait face. D'accord? Donc, de ces difficultés, vous aurez peut-être les bonnes pratiques ou bien les méthodologies pour les corriger. Donc, tout ça, vous le mettez et vous l'utilisez pour mettre à jour et adapter votre matériel d'assistance aux utilisateurs. Donc, si un problème s'est produit une fois, on a trouvé la meilleure approche pour corriger ce problème. Vous l'avez quelque part documenté. Donc, ça va permettre aux futurs et aux autres personnes, le jour où on leur soumet le problème, et de voir la procédure qu'ils avaient utilisée et de corriger le problème comme il faut. Les recommandations générales. Pardon. Déployer des efforts. Les recommandations générales. Et déjà, dès le départ, vous devez déployer tous les efforts possibles pour gérer toutes les attentes. D'accord? Mettez le paquet, mettez le maximum. Assurez-vous que vous avez mis à disposition tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. D'accord? Et il faut déjà aussi comprendre qu'implémenter le tracker, ce n'est pas facile, c'est même difficile. Et vous devez déjà, lorsque vous commencez l'implémentation de votre tracker, prendre en considération plusieurs facteurs. Donc, entamer déjà des discussions sur certains points clés, notamment sur le matériel informatique. D'accord? Vous devez déjà savoir qu'est-ce que vous devez acheter, quelle quantité, pour quel niveau et qui va l'utiliser. Vous devez déjà discuter question hébergement, où sera hébergé notre serveur, selon quelle fréquence et le budget sera adopté pour le pays, etc., etc. Sur la question du personnel informatique, vous devez déjà identifier le personnel informatique qui va faire peut-être l'assistant technique au niveau périphérique. Et l'information, comment ça va se passer, qui va former les formateurs. Les formateurs seront disséminés de quelle manière à travers le pays et comment va se faire le recyclage, etc. Tout ça là. Donc, tout ça, vous devez déjà, dès le départ, entamer les discussions et faire les budgets à long terme pour tout ça. Et il faut aussi aller doucement lorsqu'on implémente les tracteurs. Et on ne va pas se lever et dire, bon, on veut un tracker qui sera opérationnel d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et c'est pas évident, ça ne fonctionne pas comme ça. Et faut toujours faire un déploiement progressif. Et lorsque vous déployez le tracker, ne vous basez pas sur des dates d'échéance pour vous mettre la pression, d'accord? Et déployez le tracker étape par étape comme il faut. Et chaque fois qu'une étape est franchie, vous passez à l'étape suivante, d'accord? Donc, franchir cette étape n'est pas forcément conditionné par des dates, plutôt mis sur un calendrier ou bien quelque chose comme ça. Il faut toujours aller et progressivement s'assurer que toutes les étapes ont été franchies et réussies avant d'aller jusqu'au bout de l'implémentation complète de votre tracker. Et il faut aussi faire comprendre, et peut-être aux utilisateurs finaux, que le tracker est là et ce n'est pas une charge de travail supplémentaire qui va venir s'ajouter, mais c'est quelque chose qui est là et qui va venir remplacer peut-être l'utilisation de l'outil papier qui est là. Donc, techniquement, le tracker sera là pour les aider et pas pour venir ajouter une charge de travail supplémentaire. Donc, il est aussi important que les utilisateurs aient cela en tête. Bien, donc, ça fait les considérations relatives à la mise à l'échelle du tracker. Donc, je vais enchaîner avec le slide suivant où nous allons parler des différents dispositifs qu'il faut mettre considérés pour l'hébergement du programme du serveur pour le tracker. D'accord? Et dans cette seconde présentation, nous allons vous proposer un Mentimeter où vous allez répondre à certaines questions. D'accord? Et pour chacune de ces questions, nous allons parler, nous allons en discuter en détail, nous allons voir les différents critères et possibles et de réponse ou bien d'implémentation par rapport aux questions. Et au fur et à mesure, vous allez répondre le Mentimeter. À la fin du slide, on peut prendre les résultats qu'on a obtenus du Mentimeter et vous les partager.
D'accord? Donc, sur la question de l'hébergement des systèmes claqueurs, nous revenons à notre maison, du claqueur. Donc, généralement, quand on parle d'hébergement, on peut d'abord penser au sous-bassement de notre maison, c'est-à-dire la partie infrastructure, tout ça là. Mais il faut aussi configurer les chambres de notre maison. Donc, côté hébergement, côté sécurité, tout ça là, c'est des facteurs que vous devez aussi prendre en compte dans l'hébergement de votre serveur et tracker. OK? D'abord, les décisions que vous devez prendre sur la question de l'hébergement du tracker. On va d'abord se demander, est-ce qu'il faut faire une nouvelle instance, l'IDHF2, pour notre tracker, ou bien est-ce qu'il faut utiliser l'instance existante déjà? OK? Donc, vous avez déjà, par exemple, un tracker agrégé, vous voulez implémenter un tracker, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une nouvelle instance, vous utilisez déjà l'instance que vous avez sous la main. Ça, c'est des décisions qu'il faut prendre. Nous allons y revenir en détail. Il y a aussi la question de l'architecture. Et donc, ce serait le mode d'hébergement de votre serveur. Est-ce que vous allez le faire vous-même? Est-ce que vous le ferez au niveau local ou bien par un service tiers? D'accord? Donc, côté service tiers, vous pouvez par exemple leur donner, leur dire vous voulez un DHFE, ils font l'hébergement, ils vous gèrent la maintenance et vous avez juste à payer ce service-là. Donc, vous avez aussi l'option de vous-même un VPS, c'est-à-dire l'infrastructure matérielle accessible à distance, et vous faites la configuration vous-même. Troisième option, vous avez l'option de faire l'hébergement local dans les locaux, par exemple, de votre ministère ou du SNIS, etc. Et autre facteur de décision à prendre, c'est la routine des sauvegardes. Comment va se passer les sauvegardes de votre base tracker? Et comment va se passer les restaurations? Et quelle sera la routine pour maintenir cela, etc. Et le monitoring. Pour le monitoring, c'est écrit surveillance et monitoring. Donc, pour le monitoring, vous devez voir comment vous pouvez suivre votre tracker, votre programme tracker, votre serveur tracker, et comment vous allez suivre l'utilisation des ressources, et de la RAM, le disque et tout ça. Cela vous permet aussi d'anticiper les problèmes à venir et de les corriger à l'avance. Donc, le Mentimeter, Agnew va nous confirmer tout à l'heure le code. Je ne sais pas si ce code est toujours actif. Si Agnew est en ligne, il peut nous confirmer le code du Mentimeter. Mais en attendant, nous allons continuer. Donc, les exigences de votre projet. Et lorsque vous faites le projet d'implémenter un tracker, vous devez déjà revoir la portée de ce tracker. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Et ce n'est pas la même chose quand vous implémentez un tracker MAPI ou bien que vous faites un tracker VIH. Ce n'est pas du tout la même portée. Donc, il y a beaucoup de choses à configurer et considérer, le nombre d'utilisateurs et le nombre de personnes à former et le nombre d'équipements à acheter. D'accord? Les projets de petite taille, par exemple, on peut avoir la lutte contre les vecteurs du palmisme. On peut avoir le tracker VIH national qui est un grand projet. Et les programmes. Donc, les programmes, vous devez voir s'ils s'intègrent dans une seule instance ou bien dans différentes instances VIDHS2. Est-ce que dans votre projet, vous avez le côté agrégé aussi qui est là ou bien c'est juste des trackers? D'accord? Et autre exigence en matière de temps, et ça va être le fonctionnement de votre système. Combien de temps doit fonctionner votre serveur VIDHS2 pour le tracker? Est-ce qu'il doit fonctionner tous les jours, 7 jours sur 7? Et s'il fonctionne 7 jours sur 7, est-ce qu'il faut, et c'est dire que les utilisateurs auront à l'utiliser, donc ce n'est pas seulement pendant les heures de travail, mais est-ce qu'ils vont l'utiliser aussi peut-être et hors des heures de travail, notamment dans la nuit par exemple. Donc tout ça, vous devez vraiment en prendre en compte et pour votre, dans l'implémentation de votre projet. C'est très important. Ça joue souvent sur la manière dont vous allez mettre, vous allez mettre à disposition l'équipe de maintenance et d'assistants techniques.
Et vous devez aussi voir comment vous allez gérer l'assistance informatique en dehors des heures de travail, comme je l'ai dit. Et vous devez aussi voir la connectivité. Et est-ce qu'il y a l'accès Internet comme il faut? Et est-ce que le serveur est disponible de partout, etc. Et vous devez aussi prendre en compte dans votre projet les temps d'arrêt de votre système. Déjà, qu'est-ce qui se passe lorsque votre serveur DHS2 est HS pendant un temps, d'accord? Et est-ce qu'il faut faire retourner à l'outil papier avant de revenir dans la saisie en temps réel? Et là, vous comprenez, par exemple, que si vous êtes dans un cas clinique où la personne fait saisir les données simultanément pendant que le patient est là, ça peut devenir très vite compliqué lorsque votre système est à l'arrêt, d'accord? Côté Android, si vous faites par exemple la saisie avec les périphériques Android, il y a moins de conséquences par rapport à l'arrêt de votre système. Et vu que l'Android a l'option offline qui est fonctionnelle, vous pouvez toujours faire la synchronisation dès que la connexion est revenue. Donc, le clinicien peut continuer sa prestation, saisir les données, et dès que la connexion est de retour, il a juste à s'afficher et à synchroniser. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes sur le web, sur votre PC, et que vous êtes en train de faire la saisie tracker. Existence du projet toujours. Le tracker et les bases trackers et les bases agrégées. Comme je l'avais dit en début de slide, le tracker demande beaucoup plus d'exigences côté serveur que l'agrégé. D'accord? D'abord, côté tracker, il est important d'avoir des mises à jour de votre DHS2, de préférence les plus récentes. Parce que les versions DHS2 les plus récentes bénéficient d'une optimisation à l'utilisation du tracker. C'est plus sécurisé, la base de données est beaucoup plus rapide et tout est quasiment optimisé. Et comme vous le savez, les versions DHS2 qui bénéficient du support, c'est souvent les trois dernières. Donc, assurez-vous quand même d'être dans cette marche, c'est toujours très important. Et ces nouvelles versions bénéficient de nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas dans les anciennes versions. La stabilité est très bonne, les performances sont très élevées. Beaucoup d'erreurs de sécurité ont été corrigées, donc c'est nettement plus sécurisé. Et le contrôle d'accès aussi et les options pour configurer les accès à votre tracker sont améliorées aussi dans ces nouvelles versions. Et c'est très, très efficace. Les exigences en matière de récupération en cas de sinistre, c'est aussi un facteur que vous devez prendre en compte dans l'implémentation de votre tracker. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous perdez vos données ou bien que votre serveur crash? Qu'est-ce que vous faites pour restaurer la base? Quel est le processus qui est chargé de le faire? Donc, c'est des exigences auxquelles vous devez également tenir compte. Vous devez connaître les délais de restauration. Donc, par exemple, notre serveur crash à 12 heures aujourd'hui, on peut supposer qu'après combien de temps on pourra faire la restauration du serveur? Est-ce qu'il faut attendre demain matin ou bien d'ici 3 heures, on aura déjà une restauration de notre base qui est là? Donc, cette exigence, vous devez forcément le prendre en compte lorsque vous implémentez votre tracker. Vous devez aussi tenir compte de l'éventuelle perte de données. D'accord? Et si vous perdez les données de votre tracker, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a moyen de le recouvrer? Est-ce qu'il y a un plan pour ça qui est chargé de le faire? C'est des exigences dont vous devez prendre en compte. Bien. Donc, pour l'hébergement d'un tracker, vous avez plusieurs options et c'est des décisions que vous devez prendre. Et est-ce qu'il faut faire une nouvelle instance pour les DHS? Ou bien est-ce qu'il suffit d'ajouter notre tracker dans l'instance projet existant? OK? Donc, dans la photo que vous voyez ici, nous avons un DHSD qui existe déjà pour le ministère de la Santé avec les données agrégées. Donc, lorsque j'ai un nouveau programme tracker, j'ai l'option d'ajouter ce programme tracker à mon serveur agrégé existant. Ça, c'est la première option. Deuxième option, si j'avais plutôt un serveur DHS2
où j'ai mis des programmes tracker. Je peux simplement ajouter mon nouveau tracker à mon serveur dédié au tracker. D'accord? Maintenant, troisième option aussi qui est possible, c'est que lorsque j'ai un programme tracker, je peux devoir à créer carrément une nouvelle instance pour le tracker dans lequel je mettrai mes nouveaux programmes tracker. Donc, voici les traces de flux dans lesquels vous pouvez vous retrouver lorsque vous avez un programme tracker, lorsque vous avez un projet de programme tracker à implémenter. Et c'est parti à nous en ligne pour nous confirmer le Mentimeter. C'est bon, j'ai la confirmation que le Mentimeter est disponible. Donc, pour tous ceux qui ont le code du Mentimeter, donc, dans le Mentimeter, vous aurez à répondre aux différentes questions que je vais poser au fur et à mesure. Et un instant. Et ah, je vois que les gens ont déjà commencé par répondre. C'est intéressant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec le slide. Et je vais donner les détails pour chacune des questions. Et à la fin du slide, nous allons récupérer le vote de tout le monde, ou bien les options choisies par tout le monde que nous allons partager avec vous. D'accord? Donc, je vais partager mon écran rapidement. Voilà. OK. Donc, première question du Menti. Et dois-je ajouter le tracker à un système d'information agrégé existant? Donc, c'est la première question que vous devez avoir dans votre Mentimeter. Et sur cette question, il y a des pour et des contre, on va dire ça comme ça. Donc, les avantages, c'est que lorsque vous ajoutez un programme tracker à votre base agrégée existante, il y a moins de complexité, quoi. C'est facile. D'accord? Et l'architecture est déjà là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement suivre le programme tracker à votre base agrégée existante. Et c'est plus aussi facile de faire, par exemple, un dashboard dans lequel vous aurez des indicateurs venant de l'agrégé à côté des indicateurs venant de votre programme tracker. D'accord? Et cependant, il y a aussi des inconvénients à cela. Et il y a certaines sécurités qui ne sont pas du tout les mêmes. D'accord? Côté tracker, il y a une exigence de sécurité qui est plus grande, qui est plus contrôlée. Et du fait que d'abord, côté tracker, nous utilisons des données à caractère privé qui permettent d'identifier des personnes. Et il y a aussi le contexte, supposons qu'il s'agit d'un tracker VIH, et on comprend tout de suite que l'identité des personnes qui sont dans ce programme doit demeurer confidentielle. Et donc, pour ceux, il y a plusieurs exigences sécuritaires qu'on prend en compte, y compris côté serveur, tout comme côté utilisateur. D'accord? Ce qui n'est pas forcément le cas avec l'agrégé. Et autre aspect, autre inconvénient qui est vraiment, qui n'est pas mineur, c'est le fait que vous pouvez, par exemple, avoir dans votre base un super administrateur. D'accord? Maintenant, lorsque vous ajoutez les programmes tracker dans la même base agrégée, et le super administrateur a également accès à tous les programmes tracker. D'accord? Ce n'est pas forcément votre stratégie. D'accord? Vous auriez préféré avoir des super administrateurs pour votre tracker spécifiquement, qui est distinct des super administrateurs côté agrégé. D'accord? Donc, l'inconvénient, c'est que comme le super administrateur a tous les accès, lorsque vous ajoutez votre tracker, et tous les super administrateurs auront accès quasiment à tout, y compris ce que vous voulez garder confidentiel. Et il y a aussi la question des métadonnées. Et vous allez voir qu'il y a des métadonnées qui existent déjà dans l'agrégé, mais que vous allez devoir les recréer pour les besoins du tracker. Et surtout, on le sent au niveau des unités d'organisation. L'utilisation du tracker au niveau des agrégés n'est pas
peut ne pas être la même chose que celui de l'agrégé. Donc, dans ce cas, vous allez voir que vous aurez peut-être ajouté des niveaux ou des aires sanitaires qui n'existaient pas, ou même ajouté de nouvelles formations sanitaires. D'accord? Donc, il y a cette compatibilité qui peut très, très vite devenir un problème. La question est un peu masquée. Je vois mal la question. Donc, autre avantage, lorsque vous ajoutez le nouveau tracker à une instance, et à une instance qui est déjà de type tracker, c'est que vous pouvez utiliser les métadonnées existantes. Donc, je m'explique. Et je dispose d'une DHS2, d'un serveur dédié au tracker. Dans ce serveur, j'ai par exemple un programme de suivi du VIH qui est là. Et lorsque, par exemple, je suis en train d'implémenter un projet de tracker pour la TB et que je viens ajouter ce programme tracker TB dans mon serveur de tracker qui contient déjà un tracker VIH, l'avantage que je peux utiliser certaines métadonnées, notamment les attributs. D'accord? Donc, le nom que j'aurai au niveau du tracker VIH, c'est la même variable que j'utiliserai au niveau du tracker TB. D'accord? Donc, il y a une partie des métadonnées qui devient réutilisable. Cependant, il y a un inconvénient aussi à cela. C'est qu'il n'est pas évident que vous utilisez tous les métadonnées existantes tels qu'ils sont. Peut-être votre nouveau tracker peut avoir des spécificités légèrement différentes et qui vont faire que vous devez forcément recréer peut-être les métadonnées propres à votre second tracker que vous ajoutez à votre base. D'accord? Et aussi, le problème, c'est qu'il faut faire un travail pour réutiliser les métadonnées existantes. Enfin, vous êtes obligé d'échanger le nom des variables, l'UID dans votre nouveau programme pour qu'il s'adapte au programme déjà existant dans votre base. Donc, tout ça, c'est un très grand travail et il faut vraiment s'y connaître en DHS et en tracker, voire même un peu en dev, pour pouvoir faire ce travail de rematching des deux programmes tracker. Donc, voici pour les avantages et les inconvénients. Et quant à l'ajout d'une nouvelle instance dans un serveur agrégé ou dans un serveur d'équipe tracker, contenant déjà un programme tracker. Donc, je suppose que les gens et les participants ont déjà donné des réponses à cette question, le Manti 1, dans notre Manti Meta. On va vous partager le résultat après. Donc, on continue. Il restait toujours. J'en ai déjà parlé, c'est bon. Donc, réponse du Manti Meta, vous l'aurez en fin de slide après. Donc, deuxième question du Manti, question 2. Si c'est sur la architecture. Et est-ce que vous allez faire fonctionner la base de données et l'application ensemble? Donc, ça, c'est la question Manti de 1A. Et ici, on voudrait savoir s'il est intéressant d'avoir et la base de données et l'application DHS2 qui se tourne sur Tomcat sur la même, sur le même serveur. D'accord? Sur cette question, il y a des avantages. L'avantage, c'est qu'il y a moins de complexité dans l'architecture. Je prends un seul serveur, je mets ma base de données, je mets mon application DHS2 là-dessus, et très vite. Et ça peut être aussi très moins cher de le faire ainsi. Comme ça, je n'ai pas de contrainte à payer, par exemple, deux serveurs ou bien à mettre en place deux serveurs. Et inconvénient, et on peut dire comme inconvénient que les serveurs donc, seront disputés, c'est-à-dire la base de données PostgreSQL va solliciter des ressources, en même temps que la base DHS2 va solliciter les ressources. D'accord? Et cependant, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Et notamment, l'exemple actuel, c'est que la façon dont les DHS2 nous le configurent actuellement, en utilisant par exemple les containers, est un bon compromis, c'est-à-dire ça résout le problème. Donc, le principe des containers, c'est simplement que vous créez une machine virtuelle qui contient l'application DHS2 et une autre machine virtuelle qui contient la base de données. Donc, ce qui vous fait techniquement deux machines bien séparées. Et vous pouvez allouer les ressources
à chacun de ces conteneurs. Donc, c'est quelque chose qui est contrôlé. Et donc, de manière simple, quand vous avez un serveur qui est puissant et que vous l'installez comme ça en utilisant les conteneurs, cela résout le problème. Et ça revient au même que d'avoir deux serveurs séparés, un avec la base de données, un avec l'application DHCP. Et surtout qu'avoir fait deux architectures séparées sur deux serveurs et amène beaucoup de complexité, notamment sur le plan d'échange et de débit quoi, entre les deux serveurs, d'échange de données et de confidentialité. Et deuxième question de B. Dumanti, est-ce que vous avez d'autres applications dans votre écosystème? Genre, est-ce que vous avez un middleware qui va utiliser RapidPo lorsque vous utilisez les SMS? Et est-ce que vous avez, par exemple, une application pour gérer, par exemple, les dossiers médicalisés auxquels vous allez mettre en interopérabilité avec le système DHF2? Est-ce que, par exemple, vous avez une interopérabilité avec l'état civil, par exemple, pour envoyer ou récupérer les données liées aux naissances, tout ça, ou données de population, etc.? Donc, c'est la deuxième question du Marty que vous pouvez... Troisième question dans notre Mentimeta. Et nous allons parler des différents types d'hébergement. D'accord, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous allons venir en détail ici. Donc, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que je loue les logiciels en tant que service? Donc, les logiciels en tant que service, c'est ça le SaaS, Software as a Service. Et le principe des logiciels en tant que service, c'est par exemple du genre, vous allez vers une institution qui peut vous vendre et qui peut vous faire ce service. Et l'institution va installer le DHF2 à votre place. L'institution va le configurer. Et ensuite, l'institution va vous donner juste l'accès à votre DHS2. D'accord? Et moyennant, bien sûr, une rémunération mensuelle. Et donc, vous avez le logiciel qui est installé, le DHS2 qui est configuré. Et on vous donne juste l'accès à l'utiliser. Donc, c'est le principe des logiciels en tant que service. Donc, les avantages de ce type de service, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. Je veux un DHS2 national, j'appelle juste le service, je dis voilà, j'ai besoin d'un DHS2 version 2.24, etc. Peut-être que demain je peux spécifier le disque dur, la RAM que je souhaite. Et en deux temps, trois mouvements, on me rappelle, on me dit voilà, votre DHS2 est installé, voici l'accès sur admin. Donc, le reste, c'est à vous de jouer. D'accord? Donc, c'est très facile à mettre en œuvre. Et donc, ce qui est bon dans ces services aussi, donc le service se charge de veiller au bon fonctionnement de votre serveur, que ce soit côté matériel ou côté service. Et le service aussi se charge de mise à jour et de mise à niveau. Donc, s'il y a une mise à jour, il peut vous le suggérer, ou bien si vous avez besoin d'une mise à jour, vous leur demandez et ils le font à votre place. D'accord? Inconvénient. Donc, lorsque vous souscrivez un logiciel en tant que service, généralement, vous n'avez juste accès qu'à l'interface de votre logiciel. Vous n'avez pas accès au serveur proprement dit. D'accord? Vous ne pouvez pas faire une requête directe vers le serveur et regarder vos ressources, aller dans votre base de données, faire tout ce qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Vous avez juste l'interface du logiciel qui est là. Et autre inconvénient, bien sûr, et vu que vous n'avez pas accès direct à votre serveur, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous devez passer par l'assistance du service qui héberge votre application. D'accord? Vous devez, par exemple, leur dire, bon, on souhaiterait avoir un backup et le service fait le backup et vous l'envoie. Et on souhaiterait peut-être voir le résultat de telle ou telle requête. Ils font ça et ils vous envoient comme réponse. D'accord? Donc, vous n'avez pas accès à votre serveur. Vous dépendez complètement du service d'assistance de ces services. D'accord? Et bon, j'évite de donner un exemple de nom ici d'un service, vu que c'est ma présentation. Et deuxième question et aussi, est-ce que je loue une infrastructure en tant que service? D'accord? Donc, c'est ça le IaaS, Infrastructure as a Service. Et cela consiste simplement à acheter en ligne vous-même un serveur. C'est-à-dire, j'ai par exemple un hébergeur qui est là, je lui dis voilà, je vais acheter chez toi un serveur
qui aura 64 gigas de RAM, qui aura un disque dur de 1 tera, et avec telle vitesse de débiteur, etc. Donc, j'achète ces serveurs, on m'envoie les accès à ce serveur. Donc, ce n'est pas l'accès à une application, mais c'est l'accès direct au serveur. Donc, c'est un titre d'administrateur système. D'accord? Donc, je peux accéder moi-même au serveur et j'attaque le serveur comme si c'était une machine qui était devant moi. Je fais toutes les configurations nécessaires et j'installe mon application DHS. D'accord? Donc, contrairement au précédent, le FAAS, ce n'est pas le fournisseur ou le service qui fait toute l'installation pour moi. Dans ce deuxième cas de figure, c'est moi-même qui procède à l'installation de mon serveur. Les avantages, donc, et le temps de fonctionnement est garanti de l'infrastructure puisque c'est moi qui l'ai acheté. Donc, je maîtrise mon serveur. Et c'est très facile la mise à l'échelle puisque vous contrôlez votre serveur et vous ne dépendez pas. Et peut-être de la disponibilité technique d'un service. C'est très facile de mettre à l'échelle. L'inconvénient, bien sûr, cet inconvénient pour récurrent, on le retrouve aussi dans le premier cas. C'est quelque chose que vous devez payer forcément mensuellement ou bien peut-être sur un forfait annuel. De toutes les façons, il y aura un coût. Que ce soit pour ces cas de figure ou bien pour le cas finalement abordé. D'accord? Et autre inconvénient, lorsque vous souscrivez à l'infrastructure en tant que service, c'est que c'est à vous de gérer votre serveur de A à Z. Donc, vous avez dès le départ un serveur vide, vous l'installez vous-même, vous configurez le pare-feu, la base de données, l'application, les accès, tout ça là. Et pour ça, il faut que votre équipe dispose d'une capacité locale pour faire ce travail-là. Donc, vous devez avoir une équipe d'administrateur serveur bien formé, qui maîtrise bien le sujet, et puisqu'ils vont faire tout le travail et qu'auraient fait et les FAAS, d'accord, le service qui fait la maintenance pour vous. Donc, vous aurez là à faire le travail vous-même en utilisant les capacités de votre personnel. Donc, il faut que ce personnel soit déjà très formé, qu'il maîtrise bien les serveurs et l'installation de l'application DHCE et la maintenance de la base de données. Et troisième question, est-ce que j'utilise l'hébergement local? Donc, l'hébergement local, et c'est simplement que vous décidez que dans nos locaux, nous avons une salle serveur qui est là et nous avons une machine puissante qui est là. On peut configurer les DHF de là-bas. Nous avons la fibre, donc on peut configurer une adresse publique là-dessus et tout le monde a accès au serveur. Donc, ça, c'est un exemple d'hébergement local. D'accord? Maintenant, l'hébergement local. Ah, il y a aussi des avantages, c'est que vous avez le contrôle total du matériel et du logiciel. Okay? Et dans le premier et le deuxième cas, le matériel n'est pas à votre niveau, le matériel est quelque part et dans les clouds, on va le dire, et c'est quelqu'un qui le gère pour vous. Donc, quand c'est un hébergement local, le matériel est quasiment devant vous, le serveur, la machine est quasiment devant vous, donc vous avez la maîtrise totale sur le matériel. Et puisque la machine est là, c'est vous qui installez le logiciel là-dessus, vous avez aussi le contrôle total sur le logiciel complémentaire. D'accord? Et il y a un avantage aussi, bon, un avantage un peu particulier. Et le coût principal au départ est déjà défini. Donc, supposons que c'était un projet qui vient de commencer et que j'ai les bailleurs, j'ai dit voilà, j'ai besoin d'un serveur tel, de telle puissance pour l'hébergement. Donc, dès que ce serveur est acheté, est couvert par exemple le projet, et vous avez déjà réglé le problème de paiement mensuel, et comme on le fait pour le FAAS et le IAAS, d'accord? Puisque vous avez le matériel, il est acquis, vous n'avez pas payé pour le matériel, et la connexion, si c'est dans vos locaux, vous n'aurez pas payé également pour la connexion. Donc, le coût de départ sera très grand, après, vous n'aurez pas de mensualité à payer, d'accord? Inconvénient, donc, et il faut prévoir en cas de problème de votre serveur physique qui est là, puisque vous l'hébergez localement chez vous, vous êtes responsable de sa maintenance, et il faut prévoir lorsque la carte réseau tombe en panne, et comment on renouvelle ce périphérique, comment on l'achète, est-ce que le budget est déjà disponible, est-ce qu'on a déjà prévu le budget, etc. Donc, toutes ces maintenances, vous devez vraiment
les prévoir à l'avance, puisque vous êtes en charge de l'entretien de votre serveur. D'accord? La mise à jour du logiciel aussi, vous devez aussi anticiper qui va faire les mises à jour, les besoins qui seraient et tout ça. Donc, dans ce cas-ci, et contrairement aux deux cas précédents, AAS et IAAS, et l'infrastructure est gérée, maintenue par un service. Donc, c'est un data center qui est là, qui est dans un endroit bien sécurisé, bien cleané, avec un accès très haut débit. Donc, la maintenance du matériel était faite pour vous, la faible de premier cas. Mais par contre, dans le cas d'un hébergement local, c'est à vous de vous assurer que votre serveur est dans les bonnes conditions et qu'il y a un système incendie qui est là, que la température est très bonne, la clim bosse tout le temps, qu'il y a une sous-alimentation secondaire en cas de coupure de courant, que l'onduleur ait une très bonne autonomie, etc. Tout ça là. Donc, toute cette gestion d'infrastructure sera à votre charge lorsque vous optez pour un hébergement local. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment décider lorsqu'on est sûr qu'on a la capacité de le faire. Sinon, vous allez vous retrouver un bon matin avec un serveur qui se chauffe, et qui se plante, qui prend même feu, ou bien il peut avoir des incendies, de foudre, tout ça. Là, vous perdez toutes vos données tout d'un coup. D'accord? Et autre aspect. OK, nous passons à la question 4 du Menti. Donc, ici, nous allons parler des routines de sauvegarde et de restauration. D'accord? Donc, question Menti 4A. Avons-nous besoin d'un site de sauvegarde et d'une récupération en cas de sinistre? Je suppose, il y a un décalage dans le slide. OK? Et la question ici, c'est de savoir s'il faut avoir un serveur miroir dans lequel vous faites une réplication de votre base de données, d'accord? Et du genre, à tout moment, vous avez un deuxième serveur qui peut prendre le relais en cas de panne. OK? Donc, les avantages de ce principe, c'est que vous n'avez aucune perte de données, bien sûr, puisque vous avez une réplication de la base qui est là pour prendre le relais. OK? Et il y a possibilité, bien sûr, de mettre en place un basculement de la base de données, du genre lorsque le serveur tombe en panne et le second point le relais. Et parfois, l'utilisateur même ne se rend pas compte. Et il lui pense toujours être le bon serveur, alors que c'est le serveur miroir qui a pris le relais. Inconvénient de cette méthode, la maintenance est très, très élevée. D'accord? Pour ne pas dire que c'est compliqué. Et le coût du matériel aussi est très élevé. Donc, vraiment, c'est une option lorsqu'on veut le prendre. Il faut vraiment, vraiment prendre en considération la maintenance et le coût. D'accord? Et deuxième question du Menti. Pouvons-nous accommoder un plan de sauvegarde et de récupération qui entraînera potentiellement la perte de quelques heures de données? C'est l'option, je dirais, qui est actuellement le plus utilisée. Donc, ici, on parle d'une sauvegarde périodique de votre base. Et du genre, chaque soir, on peut faire un backup de la base et le garder quelque part. D'accord? Donc, vous avez par exemple un backup périodique qui est là. En cas de sinistre, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste restaurer le dernier backup que vous avez. D'accord? Et l'avantage, c'est que vous ne perdez pas relativement beaucoup de données, peut-être juste une petite quantité, et c'est encore gérable, vous pouvez facilement récupérer les données que vous avez perdues. D'accord? Supposons, même s'il s'agit, disons, d'une donnée de quelques heures ou d'une journée, et techniquement, il est encore possible de les récupérer. C'est à très faible coût, contrairement au précédent, et puisque là, il s'agit juste de faire une capture, une image de votre base et de les déposer quelque part. Donc, pas de coûts liés à la mise en place d'un serveur miroir et de la maintenance, tout ça là. Donc, c'est très peu coûteux. C'est plus faible. La maintenance aussi est très facile. Donc, c'est juste générer les backups et les restaurer en cas de sinistre. La maintenance est très facile, contrairement au premier cas. Et inconvénient, bien sûr, en cas de sinistre, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez juste perdre les données des dernières heures ou peut-être de la journée. Mais comme on l'a dit aussi dans les avantages,
Ici, je vais juste dire peut-être la personne qui a saisi les données la veille, si elle peut bien le répondre au cas où vous faites une extension de semestre. D'accord? Et troisième question. Et la perte de données est-elle si peu importante que nous pouvons nous passer d'un plan de sauvegarde et de récupération? Bon, ça, je vous dis tout de suite déjà, ça, c'est une question piège dans le menti. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais cocher. D'accord? Et avantage, c'est juste pour ironiser, c'est qu'il n'y a aucun coût. Et là, vous dites, voilà, j'ai ma base qui est là, mon tracker qui est là. Bon, si on perd les données, un peu de griffon, on s'en fout. Bon, ça n'a pas d'impact. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceci était une question piège. Il n'y a pas d'inconvénient parce que vous ne devez jamais, jamais envisager cette possibilité. D'accord? Il faut toujours et toujours avoir un plan de sauvegarde et de restauration de votre base. OK? Et question. Ah, OK? Les décisions mises en place d'un tracker, Manti 4, et routine de sauvegarde et autres. Nous allons voir les pour et les contre. Donc, question, devons-nous conserver un grand nombre de sauvegardes? Manti 4B. Et là, on voudrait savoir si, par exemple, quand vous faites vos backups, est-ce que vous gardez, par exemple, les backups qui datent du premier, si on prend, par exemple, la date d'aujourd'hui, et on est le 23 août, est-ce qu'il faut garder, par exemple, les backups datant du 1er janvier de cette année? D'accord? Ici, on veut voir l'éventail et la fourchette de sauvegarde que vous devez garder. D'accord? Et pour ça, il y a des avantages et des inconvénients que vous devez prendre compte. Les avantages, c'est que ça permet de récupérer les données sur une longue période. Disons, si on entend me dire, ah, je veux par exemple la base de données qu'on avait le 3 février 2021, je vais juste retourner récupérer ces backups et le restaurer dans mon serveur. Bon, je ne sais pas pourquoi on va les demander, ça dépend du contexte. Et autre avantage, et ça peut être utile lorsque vous voulez par exemple résoudre un problème. Donc, supposons que votre base là, il fonctionne bien. À un moment donné, vous remarquez qu'il y a un problème peut-être qui a apparu, lié peut-être à une configuration, une mauvaise manipulation. Et vous pouvez faire une restauration, par exemple, dans une instance de test. Et peut-être vous allez tomber sur une version où il n'y avait pas le problème. D'accord, ça peut vous orienter, ça peut vous permettre de corriger le problème actuel que vous constatez dans votre base. Inconvénient à cela, ça occupe trop d'espace. D'accord? Et vous avez votre serveur qui est là, qui a une taille de disque qui est limitée. Et vous n'allez pas prendre l'espace disque de votre serveur pour en faire des stockages de backup. D'accord? Avoir un backup journalier, c'est très, très, très lourd. Et ça prend de l'espace. Ça peut même empêcher votre propre serveur de tourner comme il faut par manque de ressources. Surtout s'il vient, et par exemple, le soir où l'analytique doit tourner. Et pour l'analytique, on sait que le serveur a besoin de beaucoup d'espace. Et si on se retrouve au cas, et dans un cas, par exemple, où vous avez surchargé votre base de backup qui date de longtemps, que vous n'utilisez même pas peut-être, et que c'est là pour provoquer un crash de votre serveur, bon, c'est dommage, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas à faire. D'accord? Et généralement et actuellement sur le DHF de lorsqu'on l'implémente, ce qu'on fait, bon, c'est une approche qu'on a adoptée côté Oslo et qui a été aussi proposée par l'administrateur serveur d'Oslo, c'est que les backups, on les fait de manière, disons, échelonnée. C'est-à-dire, je peux faire les backups journaliers pour la semaine en cours, c'est-à-dire je peux avoir un backup journalier pour les 7 derniers jours. Ensuite, à partir de là, j'aurai les backups hebdomadaires, par exemple les backups des 6 dernières semaines. OK? Et au-delà des 6 dernières semaines, maintenant, je pourrais garder aussi les backups, par exemple, des 3 ou des 6 derniers mois. OK? Donc, ce qui fait qu'on a relativement moins d'espace occupé sur mon serveur. Au lieu d'avoir, par exemple, du 1er janvier jusqu'au 31 juillet, à peu près combien? À peu près 150 sauvegardes de ma base.
Et si chaque sauvegarde fait 2 gigas, donc fait déjà les calculs, c'est les 300 gigas d'espace que je voulais occuper sur mon serveur. Et j'aurais plutôt 7 sauvegardes journalières pour les 7 derniers jours, plus les 3 sauvegardes des 3 dernières semaines. Donc ça me fera 6 sauvegardes et ça me fera 10 sauvegardes, plus les 6 sauvegardes pour les 3 derniers mois, ce qui me fera en tout 16. Et donc, au lieu d'avoir jusqu'à 150 sauvegardes sur ma base, j'aurai quelque chose comme juste 16 backups sur ma base et qui sont ponctués dans le temps. Ce qui veut dire que même s'il y a un problème ou bien il y a un besoin, je trouverai toujours mon compte, je trouverai toujours de quoi restaurer ma base. Donc, c'est plus pratique comme ça, cette méthode. Et ça permet vraiment, vraiment de garder l'espace serveur. Question 4C du Manti. Avons-nous besoin d'une sauvegarde hors site? Et là, la question est de savoir, est-ce que vous devez sauvegarder vos backups sur un autre serveur, sur un autre site? D'accord? Et ça a des avantages, bien sûr. C'est que lorsque vous sauvegardez vos backups ailleurs, pas sur le même serveur, donc supposons que j'ai un serveur dans le cloud, un serveur A dans le cloud, et que dans les locaux du ministère, j'ai un serveur B qui est là, et que j'envoie les backups du serveur A vers le serveur B. D'accord? Donc, le jour où le serveur A, pour une raison donnée, catastrophe ou n'importe quoi, crash, et que je n'ai rien, que je ne peux rien récupérer là-bas, je peux toujours prendre les backups côté serveur B et pour faire la restauration. D'accord? Donc, ça a l'avantage d'être beaucoup plus sécurisé et le risque est moindre. D'accord? Et de préférence, lorsque vous voulez même choisir et un autre site de sauvegarde au backup. Et même s'il s'agit d'un serveur cloud, n'optez pas pour le même fournisseur. D'accord? Par exemple, je suis sur le fournisseur l'hébergeur serveur X. Je ne peux pas prendre, par exemple, mon backup, mon serveur principal et mon serveur de backup chez lui. De préférence, si vous avez le choix, prenez deux entités séparées, quoi. Peut-être un chez un autre hébergeur, un chez l'autre, comme serveur où stocker les backups, ou bien voir ramener les backups de façon locale chez vous ici, tout simplement. C'est juste pour limiter les risques et les catastrophes. Parce que s'il y a une catastrophe chez un hébergeur, il est certain que tous vos deux serveurs soient touchés. D'accord? Donc, c'est juste des mesures sécuritaires. Et inconvénient. Et ça peut être plus cher, c'est normal. Parce que là, au lieu d'avoir un seul serveur, vous risquez d'avoir deux serveurs. Et donc, c'est un coût supplémentaire, c'est forcément plus cher. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vos backups, comme inconvénient, c'est que vos backups, vous les faites transiter par le net. Donc, chaque fois que vous téléchargez un backup d'un site vers un autre, bon, quelque part, c'est un risque en plus. Et si votre backup est intercepté, on peut simplement le récupérer et l'utiliser à mauvais escient. D'accord? Donc, c'est à vous de prendre les dispositions pour faire, par exemple, les connexions SSL bien sécurisées, pour que vos backups soient téléchargés ou récupérés, non pas en plein texte, mais de manière plus cryptée, plus sécurisée. OK. Question 5 du Manti. Nous allons parler du monitoring, d'abord, du serveur. Donc, question. Et mettons-nous en place une surveillance des applications et des bases de données. Donc, mettre en place un moniteur, ça a plusieurs avantages. Et le moniteur, c'est quoi? C'est une application qui vous permet de suivre l'utilisation de vos ressources serveurs. D'accord? Donc, c'est genre une application, quand vous l'ouvrez, vous avez un dashboard avec des graphiques et qui vous montre l'utilisation du disque, peut-être pour chaque heure ou chaque jour, l'utilisation du processeur et les requêtes qui ont échoué, les temps de latence de réponse côté serveur, la connexion, tout ça là. Donc, le moniteur, c'est un peu quelque chose qui prend le pouls de votre serveur et qui vous permet de voir comment va votre serveur. OK? Donc, l'avantage de mettre un moniteur, c'est que vous pouvez voir les problèmes en même temps qu'ils touchent les utilisateurs, voire même les anticiper et les corriger à l'avance. D'accord? Donc, vous pouvez aussi respecter certains événements qui se produisent. Par exemple, entre-temps, votre serveur a crashé. Et ensuite, il a repris du service. Vous pouvez retourner au niveau des moniteurs
et regarder ce qui s'est passé pendant cette période de crash. Est-ce que c'est parce que, par exemple, pendant l'analytique, le disque était plein et que bon, l'analytique a échoué, ça fait crasher le serveur temporairement? Ou bien est-ce qu'il y avait un programme de sollicitation du serveur et peut-être qu'il y a un grand atelier ou bien on est en fin de période où tout le monde est connecté au serveur et le serveur était, disons, surchargé et qu'il a crashé, etc. Donc, le moniteur peut vous permettre de refaire ces analyses rétrospectives et de prendre des décisions en conséquence pour que ça ne se reproduise plus. Peut-être vous avez décidé à augmenter la capacité du serveur pour qu'on n'ait plus l'erreur peut-être dans les prochaines périodes, etc., etc. D'accord? Surtout que vos bases de données, la base de données de votre DHFTE va toujours en grandissant. D'accord? Donc, les spécifications que vous avez souvent au début de l'implémentation de votre DHFTE peuvent être insuffisantes après un temps d'utilisation, après un an, deux ans, etc. D'accord? Et inconvénient, il n'y a pas d'inconvénient, en fait, en tant que tel, pour mettre un moniteur. C'est même recommandé de le faire. Vous deviez toujours avoir un moniteur sur serveur. C'est toujours très intéressant. Et ça vous simplifie la vie. Ça vous permet de dépanner certains problèmes. Il faut aussi penser souvent, même s'il n'y a pas de problème, à regarder votre moniteur. D'accord? Si tout va bien. C'est toujours bon de faire cette inspection. Et deuxième question du Menti 5, configurons-nous des alertes automatiques? Donc, les alertes, c'est déjà des alertes que vous recevez lorsqu'il y a par exemple, un bug ou un mauvais comportement côté serveur. Donc, l'avantage d'avoir ces alertes, c'est que vous pouvez avoir des messages automatisés qui vous viennent, que ce soit par mail ou bien via une application. Vous aurez peut-être la situation de votre serveur en temps réel lorsqu'il y a un problème. Et il y a aussi des inconvénients. Donc, l'inconvénient des alertes automatisées, c'est que quand vous ne le configurez pas bien, supposons que vous configurez votre serveur à recevoir des alertes, même pour des situations mineures et des petits bugs mineurs, ce qui va se passer, c'est que vous aurez tellement d'alertes inutiles et insignifiantes que vous risquez même de manquer l'alerte qui est d'autre importance. D'accord? Donc, lorsque vous voulez configurer un type d'alerte sur un serveur, privilégiez de mettre vraiment et configurer de telle sorte à recevoir des messages pour vraiment des situations très, très dangereuses, ou bien, par exemple, des cas critiques côté serveur. Bien, je pense qu'on est arrivé à la fin du slide. Nous allons récupérer les résultats du Menti par rapport aux différents aspects que nous allons ajouter dans le slide et vous partager. Comme ça, vous verrez un peu ce que tous les participants ont répondu à peu près à la question. Et il y a un mot du jour. Pour Agnès va me confirmer si c'est le bon mot du jour. Et donc, après cette présentation, Jerry va continuer avec des cas d'utilisation, c'est-à-dire des cas de mise à l'échelle. Agnès, tu es avec nous? Oui, je suis là. Le mot du jour, on le garde ou bien c'était un autre? Non, tu as déjà dévoilé le mot du jour. Donc, le mot du jour, c'est aucune montagne n'est haute, tout simplement. Ce n'est pas une phrase, c'est pas un mot, c'est une phrase carrément. Donc, notez-le quelque part. Et je crois qu'il va passer la main à Jerry pour la suite de la présentation. Merci à tous. OK, merci Clément. J'espère que tout le monde m'entend. D'accord. Okay, je vais essayer de faire une présentation de deux cas d'utilisation.
OK, donc je vais vous parler un peu de la mise à l'échelle. En fait, je vais prendre deux cas. Donc, il y a un tracker pour les populations clés et les personnes vivant avec le VIH qu'on a essayé de développer ou qu'on a développé avec FHI. Et aussi un suivi de vaccination ou de vaccination COVID-19. OK. Donc, en fait, on va parler tout d'abord du suivi de vaccination, en fait, de tracker de PVVIH. Donc, en fait, ici, on avait deux trackers. Donc, on a un premier tracker, en fait, qui collecte les données sur les conseils de dépistage, la sensibilisation, les assurances basées sur le genre, la distribution des préservatifs et les conseils, tout ça, les tests. Donc, on fait une partie prévention, où les clients sont enrôlés dans le système et ils font les tests. S'ils sont positifs, par exemple, ils peuvent en fait donner les contacts et ces contacts aussi peuvent être contactés, testés, incorporés dans le système. Donc maintenant, quand la personne est positive, elle entre dans le second tracker qui est le tracker de suivi ARV. Donc, par exemple, pour cela, ce que vous avez, c'est que les utilisateurs ont cette... En fait, les clients plutôt sont suivis et à chaque fois, quand ils viennent, ils ont des antirétroviraux, tout ça. Je pense que je n'aurais pas trop parlé de ça parce que nos amis de FHI vont faire une présentation au cours de la semaine. Donc, ils vont donner plus de détails là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de des prestations de services, il est utilisé pour pouvoir faire le suivi des populations qui ont des PVVIH et aussi s'assurer qu'ils prennent les ARV. Ils font aussi, bien entendu, un suivi des personnes perdues de vue. Au niveau central, ils ont la possibilité d'avoir les données agrégées pour faire les analyses et rendre disponibles au maître. Les données sont disponibles à la partie présente. Donc, pour le COVAC, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que le premier tracker était un tracker que nous avons conçu nous-mêmes avec, bien entendu, la collaboration étroite de l'équipe de FHI. Mais celui-là est un package. Donc, c'est un peu différent, un package qui a été rendu disponible, que nous avons installé. Donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité de faire votre propre tracker, mais aussi d'avoir des packages. Et donc, pour ce package, c'est pour faire le suivi de la vaccination, d'assurer que les personnes ont effectivement pris leur dose de vaccination. Donc, au niveau central, on l'utilise pour faire le suivi de la vaccination, s'assurer que les gens ont pris leur dose et au niveau, prestation de service pour moi. Mais au niveau central, plutôt, on fait un suivi pour voir quelle est l'évolution du processus de vaccination. Est-ce qu'on a une couverture vaccinale assez importante, etc. Donc, quelques chiffres. Ce que vous pouvez noter, c'est que pour le tracker VIH, vous avez environ 200 utilisateurs, 260 000 instances d'entité de suivi. C'est une information qui date d'un mois. Je n'ai pas encore vérifié, mais il faut en avoir plus actuellement. Et bien entendu, on a 80 organisations. La même chose pour COVID, on a 5606 utilisateurs, 305 000 instances d'entité de suivi. Mais bien entendu, ça aussi, c'est une information qui a été prise il y a un mois de cela. Donc, ça a beaucoup changé. Donc, je pense que même si je m'abuse, on est à 600 000 là-bas. Bon, les unités d'organisation n'ont pas changé, ils sont à 1727. OK, donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'ici, il y avait deux approches. Donc, tout d'abord, on commence par la première approche au niveau de l'entrée des données. Au niveau du système de tracker, il y a les prestataires qui renseignent les informations et qui donnent ça aux opérateurs de saisie qui renseignent l'information. Donc, il y a format papier et après, elle est renseignée au niveau du système via des personnes qui sont chargées de faire la saisie. De l'autre côté, pour la vaccination COVID, ce sont les prestataires qui saisissent. Pour la mise à l'échelle pour FHI, le tracker VIH a été immédiat. Ça n'a pas été progressif, mais le compte, mais celui de COVID a été progressif. On a commencé par la capitale, puis on l'a étendu sur l'étendue du territoire.
En termes d'assistance technique, ce sont des utilisateurs. Donc, l'équipe du programme ou l'équipe FHI s'occupe en fait d'aider les participants, les utilisateurs. Mais nous, on intervient quand il s'agit de faire des grosses maintenances, on fait des tâches complexes. Donc, il y a souvent un suivi constant des utilisateurs. C'est-à-dire que nous sommes à l'écoute et nous suivons les difficultés des utilisateurs, on essaie de les régler constamment. De l'autre côté, c'est l'équipe qui s'en occupe et aussi on fait les tâches de maintenance du système et on règle les problèmes complexes. Et aussi là-bas aussi, on suit constamment les utilisateurs pour voir s'il y a un problème. Les appareils utilisés pour le tracker VIH, ils utilisent un ordinateur portable avec une connexion Internet permanente. De l'autre côté, ils utilisent un téléphone Android qui est différent, qui profite bien entendu de cette possibilité de synchroniser après dès qu'il y a une connexion Internet. Donc, la connexion Internet n'est pas permanente, mais quand même, ils ont la possibilité de saisir en mode offline. En termes d'hébergement, le premier est un hébergement dans les clouds que nous gérons. Mais le deuxième est un peu différent parce que c'est le ministère de l'économie numérique de Togo qui gère la base. Donc, la base est sur le territoire togolais. Alors, les leçons apprises, c'est que généralement, il faut savoir que dans ce cas de système, il faut suivre les utilisateurs. Mais quand les utilisateurs sont familiers avec les outils informatiques, généralement, on a moins de défis. Donc, par exemple, pour le tracker VIH, on n'a pas eu beaucoup de défis parce que les utilisateurs étaient habitués à faire les saisies et étaient habitués à utiliser le matériel informatique. Bon, parfois, il y avait des problèmes parce que, effectivement, comme l'information était du papier et on donnait ça à une personne pour charger de faire la saisie, il pouvait avoir des soucis avec l'écriture ou avec des données qu'il ne comprenait pas. Donc, effectivement, il y a beaucoup de discussions entre les prestataires, les chargés de saisie pour s'assurer que les données soient de bonne qualité. Mais il faut noter que c'est une difficulté qu'on peut avoir quand on fait une saisie secondaire. Et bon, pour ce projet en question, on a essayé de minimiser ce défi en s'assurant que les deux parties discutent beaucoup à propos des données et qui contrôlent les qualités des données. Ici, le déploiement s'est fait rapidement, de façon instantanée, mais c'est dû au fait qu'on avait un nombre réduit de sites. Donc, la mise en œuvre pouvait être facile. On pouvait facilement assister les utilisateurs. Donc, il y a eu plus de travail lié à la maintenance que dans la partie agrégée. Donc, c'est ce qu'il faut noter ici. Parce que ici, le serveur doit être toujours disponible parce que les gens saisissent tout le temps. Quand il y a un problème, on doit le régler rapidement pour que les gens puissent avancer au niveau de la saisie. L'équipe aussi fait beaucoup d'analyses et elle rencontre généralement, pratiquement tous les jours. Donc, elle a besoin que le système soit disponible. Donc, on intervient souvent quand il y a un problème de serveur. On essaie de vite les déceler. Quand il y a un souci, ils nous disent et on essaie de résoudre le problème. En appareil, bon, quand vous avez un ordinateur, il y a un souci généralement, un défi, c'est que vous avez utilisé une faible bande passante ou une connectivité Internet pas très fiable. C'est parfois difficile. Ça fait des problèmes, des sources de difficultés. La même chose que pour l'électricité. Donc, il n'y a pas constamment l'électricité, ça peut être des défis. Bien entendu, il faut trouver des façons à atténuer l'effet que cela va avoir sur votre mise en œuvre. Bon, il faut toujours un serveur de haute performance. C'est très important. On le dit souvent. Pour le tracker COVID, on a en fait les utilisateurs qui n'étaient pas très familiers avec le matériel, c'est-à-dire l'Android même en question. Certains et aussi le logiciel, c'était nouveau pour certains. Donc, c'était un défi. Ce qui a aménagé notre problème de qualité de données, c'est qu'on n'était pas forcément, c'était pas forcément lié au fait que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont saisis parce que ce sont des prestataires, ils savent ce qu'ils font, mais ils étaient plutôt confrontés au matériel parce qu'ils doivent, bien entendu, maîtriser le matériel. Et donc, on a eu beaucoup d'assistance lié à la gestion du matériel et tout ça. Donc, parfois, ils font des erreurs de saisie juste parce qu'ils ne maîtrisent pas le logiciel ou ne maîtrisent pas l'Android. Donc, c'est ça. Donc, ici, ça a été, en fait, le déploiement progressif est souvent recommandé. Surtout si vous avez plusieurs sites.
En termes d'assistance, ici aussi, il y a eu beaucoup d'assistance à la maintenance parce qu'on doit toujours vérifier que le système soit en ligne parce que je pense qu'on va parler de ça après, mais même pour la certification, la carte de vaccination, le carnet de vaccination, on génère ça du système. Donc, il fallait que le système soit en ligne ou disponible pour qu'on puisse télécharger ça tout le temps. Il faudrait que pour la saisie, puisque les personnes viennent toujours se faire vacciner, il faudrait que le système soit disponible pour que la saisie se passe. Il y a un suivi régulier, donc on devait s'assurer que le service ou le système sont en ligne. Bon, ici aussi, il fallait assurer la gestion de l'appareil, c'est-à-dire assister les gens sur les problèmes liés à l'Android ou à l'application Android de DH2. Bon, on a aussi un souci généralement, un défi avec les téléphones Android, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez un écran assez petit et vous devez saisir. Donc, généralement, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très ergonomique quand vous avez, par exemple, une grosse fiche. Donc, par exemple, ici, la fiche n'était pas grosse, c'est juste quelques informations renseignées. Donc, du coup, c'était facile pour vous. Mais au cas où vous avez une fiche avec peut-être 30 champs, même plus, où il y a plusieurs stades et tout ça, parfois, l'utilisation d'un téléphone, bien entendu, d'un téléphone Android pose problème. Donc, maintenant, peut-être avec un Chromebook, une tablette, ça peut être autre chose. Mais pour un téléphone, à cause du petit écran, c'est généralement un souci qu'on a. Donc, il faudrait penser à ça lorsqu'on fait des mises en œuvre. Toujours un formulaire assez simplifié lorsqu'on veut utiliser un téléphone Android. Il est aussi nécessaire d'avoir un serveur performant aussi pour la partie du COVID tracker. Donc, il fallait s'assurer que le serveur soit performant. Et il fallait aussi s'assurer que ceux qui vont gérer le serveur aient les compétences pour le faire. Parce que pour le cloud, généralement, il y a une équipe qui gère le serveur, tout ça. Et vous payez pour ces services-là, mais ici, c'est une équipe locale qui doit s'occuper de ça. Et donc, par exemple, les ministères doivent être équipés par des spécialistes qui puissent gérer les serveurs. Donc, sur ce, je pense, je viens de finir ma petite présentation. Merci. Si vous avez des questions, nous allons les répondre sur Slack. Merci beaucoup, Diane, pour la présentation. Un grand merci aussi à Clément et à Sekibou pour les différentes présentations. Je crois qu'on a débordé un tout petit peu le temps imparti. Et je crois avoir vu certaines questions qui commencent par pleuvoir dans le Slack. Donc, si ça ne vous gêne pas, je pense qu'on peut prendre le temps de répondre dans Slack. De toutes les façons, nous allons revenir au cours de la semaine sur le partage d'expériences par rapport aux différents cas qu'on peut avoir. Et Dieu, je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre le temps de répondre dans Slack ou tu veux répondre directement ici? Bon, peut-être on va prendre quelques minutes, si c'est possible, pour les utilisateurs, pour les questions. Mais à part ça, je pense qu'on peut aussi répondre sur Slack parce que vu qu'on a dépassé le... OK, donc je vais te laisser répondre à une ou deux questions et on va clore